Donc lorsqu'un texte arrive devant le Conseil national de transition ou devant le Parlement, et que si ce texte, en des endroits, malheureusement, ne correspond pas à la conformité des textes en vigueur, il nous appartient d'apporter les amendements. Mais après avoir écouté effectivement les Maliens, et à tous les niveaux, c'est aussi un droit d'amendement qui s'oppose quand il faut bien sûr apporter un texte consensuel. Mais ce qu'il faut bien préciser, c'est que lorsqu'on parle des élections, les élections sont faites par les partis politiques. Et nous avons compris dans le texte, du début à la fin, les partis politiques étaient en dehors du texte. C'est cette réalité et cette vérité que nous avons souhaité rétablir. Aussi, il faudra dire que le texte, de par ses insuffisances, vous avez vu qu'il y a beaucoup de bruit autour du ministère de l'Administration territoriale. Le ministère de l'Administration territoriale ne joue aucun rôle dans le processus électoral. Et je répète bien, aucun rôle. Le ministère de l'Administration territoriale a été rétabli dans ses fonctions régaliennes qui consistent bien sûr à connaître, à avoir une connaissance pointue sur le maillage territorial de l'administration et donc apporter son appui à l'AIGE. Dépouillement, transmission, proclamation des résultats, le ministère de l'Administration territoriale n'intervient en rien.